Salut à tous et à toutes, ici Fun et Fun pour cette nouvelle vidéo. Alors, pour cette vidéo, je vais faire la suite de Sonic.exe. Je vous souhaite de bien écouter. Allez, à tout à l'heure. Alors, j'ai coupé le jeu et fait une pause. J'ai fait une sieste. Enfin, j'aurais bien aimé parce que j'ai fait le cauchemar le plus dérangeant. J'étais dans l'obscurité totale, malgré que j'étais sous la lumière émise par une lampe qui pendait au-dessus de ma tête. Je pouvais entendre les cris de Knuckles et Tails. Ils étaient en train de me dire... Aide-nous ! Pourquoi nous as-tu donné à lui ? Va-t'en, avant qu'il ne t'attrape ! Leurs cris se sont arrêtés. Ensuite, j'ai entendu Sonic rire, son rire. Ça sonnait un peu comme le rire de Kafka désormais. C'est amusant de voir avec toi, gamin. Tout comme ton ami Kai. Bien qu'il n'ait pas pu tenir longtemps. J'avais peur et je scrutais les environs pour trouver la source de la voix. Ce ne sera pas long jusqu'à ce que tu le rejoignes. Lui. Et tous mes autres amis. Je l'ai vu marcher vers moi, clignotant et allant dans plusieurs directions. Tu ne peux pas courir, gamin. Tu es dans mon monde maintenant, tout comme les autres. Quand il m'a attrapé, j'ai vu ses yeux dégoulinant de sang et son visage souriant. Je me suis réveillé en sursaut. Après quelques heures, j'ai décidé de continuer à jouer. Je ne sais pas pourquoi, mais je... Je devais le savoir. Je devais comprendre ce qui se passait. Alors j'ai allumé l'ordinateur, lancé le jeu et j'ai sélectionné Robotnik. Je pensais que c'était assez farfelu de pouvoir jouer Robotnik. Mais de toute façon, le titre du niveau apparaît de nouveau et cette fois il a dit... 3 petits points. J'ai trouvé Sarah vraiment louche. Cette fois, j'étais dans une sorte de couloir qui n'avait pas l'air d'être apparu dans l'un des jeux Sonic classiques. Mais c'était du même style pixelisé. Le sol était brillant et endamé et les murs étaient violâtres et des chandelles allumées. Quelques taches de sang sombre ici et là et il y avait un rideau rouge foncé suspendu au-dessus de la partie supérieure de l'écran. Toutes les 12 secondes environ, le rideau remuait très lentement. Mais quand vous jouez, vous pouvez à peine le voir bouger. La musique était bizarrement agréable, un piano jouant une chanson plutôt triste et paisible. Mais je savais que c'était la chanson qui a joué dans l'acte 1 de 1. Sauf que là, elle n'a pas été jouée à l'envers. Robotnik n'était pas aussi nerveux que Tails et Knuckles l'était, mais il avait un regard suspicieux sur son visage, comme s'il était un peu parano. Il a fait une petite animation quand il ne bougeait pas. Il tournait la tête à gauche puis à droite, au moins 2 fois. Puis il haussait les épaules en me regardant, comme s'il n'avait aucune idée où il était ni ce qu'il se passait. Même si j'avais peur de ce à quoi je pensais à propos de ce qui allait arriver, je fais avancer Robotnik. Il a fait son animation de course habituelle, vous savez, quand vous le battez à la fin d'un jeu Sonic classique, vous le courez après. Pendant que nous continuons d'aller dans le couloir... Ensuite, je m'arrête à un long escalier menant vers le bas. Maintenant, j'étais nerveux. Même Robotnik ne semblait pas sûr de lui. Malgré tout, j'ai avancé. Pendant que Robotnik s'aventurait dans les escaliers, j'ai remarqué que les murs sont devenus plus sombres et rougeâtres. Les torches rouges avaient maintenant pris une étrange teinte de bleu. Ensuite, nous nous sommes trouvés dans un autre couloir. Celui-ci était plus long. Que l'autre, en tout cas, il en avait l'air. Nous avons pris les escaliers du bas, celui-ci était beaucoup plus long, il avait duré 1 minute entière. Et là, j'ai encore entendu ce foutu rire de Kafka, la musique s'effaçait progressivement jusqu'à ce que l'on ne puisse plus rien entendre. Les murs étaient beaucoup plus rouges foncés et les torches contenaient maintenant des flammes noires. Quand Robotnik s'avança vers le troisième couloir, j'ai remarqué que maintenant, il avait l'air vraiment effrayé, bien qu'il essayait de cacher cette peur. Je ne pouvais pas le blâmer, j'avais peur aussi. Soudainement, Sonic est apparu juste devant Robotnik, comme il avait fait pour Knuckles, et là, l'écran se brouilla avec cette espèce de neige rouge. La neige resta
Là, pendant environ 15 secondes et après, j'ai eu le droit à une image vraiment immonde. L'image montrait une version hyper réaliste de Sonic, se tenant dans l'obscurité, où on voyait seulement son visage tandis que sa tête et son torse se fondaient dans le noir. Et quand je dis hyper réaliste, je veux dire qu'il avait l'air si réel que vous pouviez vraiment voir les lignes dans sa fourrure bleue, comme si vous pouviez sentir la fourrure si vous touchiez l'écran. Son visage ! Oh putain ! Il avait le sourire le plus terrifiant que j'ai jamais vu. Et quelque chose me dit que j'ai déjà vu cette image en lançant le jeu. Ses yeux étaient immenses et noirs et pleuraient encore une fois du sang, qui semblait aussi hyper réaliste. Et il y avait deux petites lueurs rouges lumineuses dans ses yeux noirs qui me regardaient fixement, comme s'il lisait dans mon esprit. Son sourire était large et démoniaque, littéralement élargi de chaque côté de son visage, comme un chat du Cheshire. Sauf que Sonic avait des crocs très pointus, un peu comme les dents du Wayrog, en plus menaçantes, un peu jaunâtres, et en regardant de plus près, il y avait des taches de sang et des petits morceaux de chair sur ses lèvres et ses crocs comme s'il venait de manger un animal. J'ai regardé cette image épouvantable pendant 30 bonnes secondes, en ne la quittant jamais des yeux. Je me sentais comme réellement observé. Me souriant, ce visage, il a juste pris 10 secondes pour se graver dans mon cerveau. Ensuite, l'écran clignota 3 fois avec du bruit statique rouge. Et à la 3e fois, j'ai entendu le rire de Kafka. Sauf que cette fois, ça sonnait désormais démoniaque. L'image revint de nouveau, sauf que cette fois, il y avait un nouveau texte qui avait été massacré. Mais c'était vraiment l'une des choses les plus horribles que j'ai vues depuis que j'ai eu ce jeu. C'était quand j'ai lu ce message, tout en regardant Sonic, quand quelque chose me frappe à l'esprit. Je m'en suis rendu compte là tout de suite. Ce Sonic était un monstre, un salaud, un sadique, tout puissant, cauchemardesque, un pur monstre, démon et toutes ses victimes, y compris Tails, Knuckles, Robotnik... Et éventuellement Kyle, ne sont que ses petits jouets. Et ce jeu est juste un portail pour rentrer dans son monde chaotique et l'enfer dans lequel sont piégées ses victimes. Soudain, pendant une réelle fraction de seconde, j'ai crié quand Sonic s'est jeté sur l'écran, hurlant brutalement avec sa bouche grande ouverte à une longueur anormale, ne révélant rien d'autre que des abysses tordues et ténébreuses avant l'arrivée des parasites rouges. Cette fois beaucoup plus forte et désormais, de sorte... que mes oreilles souffrent. J'ai crié et j'ai attrapé mes oreilles pendant que le son hurlait pendant 7 bonnes secondes. Puis, ça s'est arrêté et il n'y avait plus rien à part un écran noir. Pendant que je regardais l'écran noir, un dernier texte arriva. Prêt pour le round 2, le rire de Kafka sonnait maintenant plus clair, comme si Sonic était juste derrière moi. Il a joué 3 fois pendant que je regardais ce texte sous le choc et la confusion. Puis, je fus redirigé au menu principal et cette fois, le 3e fichier de sauvegarde avait un écran qui contenait Robotnik, dans le même état que Tails & Knuckles. Tourmenté. La peau de Robotnik avait tourné au gris terne, sa moustache pendait et avait noirci, ses lunettes s'étaient cassées et du sang y coulait et... il avait une simple expression sur son visage, comme s'il était mort. J'ai regardé Tails, Knuckles et Robotnik, et j'ai un peu pleuré. Je les plaignais car ils vivaient une véritable agonie. Ils étaient toujours pris au piège dans le jeu, toujours tourmentés par cet horrible hérisson. Ils le sauront toujours. Après ça, l'ordinateur s'est éteint tout seul. Je ne pouvais pas le rallumer, peu importe ce que je faisais. Je suis resté assis là pendant environ 25 secondes. Horrifié par ce qui venait juste de se passer. Sonic est l'incarnation même du mal. Il torture les gens qui jouent au jeu de différentes manières. Et quand il s'ennuie, il vous entraîne dans le jeu, vous traîne littéralement en enfer, où il peut jouer avec vous pour toujours, comme si vous n'étiez qu'un jouet. Je ne peux pas sortir le jeu de mon ordinateur. Je pense qu'il est coincé là-dedans. Mais au moins, j'ai réussi à le rallumer maintenant. Après, je me suis assis là pendant 25 secondes. J'ai entendu une voix derrière moi, comme un murmure. Essaye de garder ça
intéressant pour moi, Tom. Je me suis retourné pour voir où venait la voix, et ce que j'ai vu m'a fait hurler. Assis sur mon lit, me regardant droit dans les yeux, c'était une peluche de Sonic, souriant, avec des traces de sang sous ses yeux. Re-salut mes noisettes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie avec ma meilleure amie et moi. Je la remercie pour les voix off. Et aussi j'ai un nouveau concept de vidéo. Tout ça. Je vais faire des pizzas. Pas des pizzas. Je vais faire des pizzas. Ouais, pardon. Oh putain. Je vais faire des Noisette. Reprenons. Alors, je vais faire un nouveau concept. Ce sera de raconter des histoires creepypasta. Vous pouvez me dire dans les commentaires quel creepypasta vous plaît, ou alors me mettre le lien d'une creepypasta que vous connaissez et que vous voudriez que je lise. Puis voilà, ce sera un tout nouveau petit concept. Bon bah, je vous dis à bientôt mes noisettes. Partage la vidéo, aime-la, commente-la, fais ce que tu veux avec. Azanta, yotta! YOLO gros!